Combien de fils? 6. Ok. Est-ce qu'il y a un fil jaune? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un fil jaune? Un fil jaune? Un seul? Oui. Est-ce qu'il y a plus d'un fil blanc? Non, il n'y en a qu'un. S'il y a un... Attends. S'il n'y a pas de fil rouge, est-ce qu'il y a un fil rouge? Oui. Ah, oh, merde, attends. S'il n'y a pas de fil jaune, ça, il y en a. S'il y a exactement un fil jaune et s'il y a plus d'un fil blanc... Il n'y a qu'un seul fil blanc. Sinon, s'il n'y a pas de fil rouge... Il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge, donc coupez le quatrième. Ok. Oh putain. Tu retournes le truc, t'as 20 000 bidules. Ok. On a droit à 3 erreurs. C'est parti. Ok, alors, le premier c'est des câbles. Des câbles comment? Des câbles blancs. Horizontal? Oui. Voilà, ok, d'accord, oui. Il y a combien de fils? 4. Ok. Dis-moi la couleur. Le premier est blanc, le deuxième est bleu, le troisième est noir et le quatrième est rouge. Est-ce qu'il y a... Attends, s'il y a plus d'un fil rouge et si le dernier chiffre... Non, il n'y a pas plus d'un chiffre. Ok. Si le dernier fil est jaune, non, il est rouge. S'il y a exactement un fil bleu, oui. Coupez le premier fil. C'est bon. Alors, le deuxième, c'est un espèce de carré avec quatre petits carrés dedans. Donc, c'est quatre symboles. Des symboles dedans, oui. Voilà. Alors, je dois te dire les symboles. Vas-y, tu me dis le premier en haut à gauche. C'est une étoile. Une étoile. Une étoile. Oui, je vois. Ensuite. Alors, le deuxième en haut à droite, c'est un 3, mais un 3 diabolique. Un 3 Un 3 Ah oui, 3, avec voilà, deux cornes et une petite queue. Comme ça, oui. Alors, celui en bas à gauche, c'est une espèce de chandelier. Non, de porte-bougie, là, tu vois, comme dans les manoirs. Je vois. Et en bas à droite, c'est un smiley. D'accord. On va appuyer sur le chandelier. Ok. Le smiley. Le 3 maléfique. Le 3 maléfique, ok. Et l'étoile. C'est bon. Ok, le gros bouton. Ah, gros bouton. Oui, d'accord, oui. Il y a écrit quoi dessus? Il est roux, enfin il est jaune, il est enfin il est marqué abort. Le bouton est comment? Jaune. Car... Si le bouton est jaune, appuyez maintenant... Appuyez et maintenez-le enfoncé. Non, c'est pas juste. Ah, attends. Ça accélère, putain. La bande bleue. Lorsque vous appuyez sur le bouton, une bande colorée s'allume sur le côté droit. Oui. Est-ce que t'as une bande colorée qui s'allume? Vous devez relâcher le bouton à un moment spécifique en fonction de la couleur de cette bande. Elle est jaune. Relâchez lorsque le compte à rebours affiche un 5 à n'importe quelle position. Oh putain, ok, attends, je vais attendre un peu. Ah non, c'est blanc maintenant, c'est blanc. La couleur est blanche. La bande est blanche? Oui, vite. Va lâcher lorsque le compteur à rebours affiche un 1 à n'importe quelle position. C'est bon. Oh mec! Qu'est-ce qu'il y a? Combien qui restait? 2 minutes 18. Oh, c'est pas mal. Oh mec, c'est trop tendu. C'est chaud parce que tu dois très vite lire le truc. Tous les fils rouges, c'est bam 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 bam, faudrait mettre en fluo. Ah, je ferai ça, j'imprimerai demain. Ouais. Bip, bip. Oh, c'est glauque l'ambiance. Ok, alors je regarde s'il y a quelque chose derrière. Non, ok. Donc, le pavé avec les quatre symboles. Vas-y. Le premier, c'est un différent, le symbole différent mais chalet. Différent mais chalet. Enfin, ouais, c'est un égal, voilà. Celui en haut à droite, c'est un petit spermatozoïde. Un 6 qui ressemble à un 6. Ah oui, ok, oui. Alors en bas à droite, c'est le chandelier. Oui. Et en bas à gauche, c'est un E avec tréma. Un E majuscule. Tu vas d'abord appuyer sur le spermatozoïde. Ouais. Le E tréma. Ouais. Le égal chalet, différent chalet plutôt. Ouais, ok. Des chandeliers. Alors le deuxième, c'est un petit écran avec un 3 dessus, et en dessous il y a 4, il y a 4 chiffres qui va de 1 à 4. Ok, d'accord, oui. Étape 1, si l'écran affiche quoi? 3.
appuyer sur le bouton en troisième position. Oui. Étape 2, qu'est-ce qu'il affiche ? 3. Appuyer sur le bouton en première position. En première 3. Position. En troisième position. 1. Appuyer sur le bouton à la même position que l'étape 1, c'est-à-dire à la position. Vas-y, et 1. 1. Appuyer sur le bouton ayant le même chiffre qu'à l'étape 1. C'était un 3. Hop, voilà, c'est bon. Si le bouton est bleu et est marqué abort, appuyez et maintenez-le enfoncé et référez-vous à relâcher un bouton bleu, bouton enfoncé. Attention, le bouton est bleu, donc relâchez lorsque le compte à rebours affiche un 4 à n'importe quelle position. Okay. Non. Attends. Attends, t'es sûr, vite. Si le bouton... 2... C'est bon. 2,41. Bim, bim, bim. Cool. Structuration. Organisation. Great. Defusing the bomb. A few moments later. What? Ouais, yes, appuie un peu dessus. Non, erreur. Ah merde. Attends, ça recommence. ça affiche blank. Blank? Tu vas me dire celui en. À droite au milieu? Hour. UR. 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 UR? Non. Left. Non. Nothing. Non. Ready. Non. Long. Non. Middle. Non. No. Non. Ok. Non. First. Non. Wait. Non. Yes. Non. Press. Non. Ah, je suis mort. Oh. Est-ce qu'il y avait right? Non. Mais what? Je devais acheter. Mais... Il y avait un point d'interrogation après. Oui. Non. Maxime, pourquoi? Tu me l'as dit ou pas? Oui, je l'ai dit. Oh, ça a changé tout. Oh, fuck. Oh, décès.